je vais aller faire une séance de 30 minutes, une séance HIIT tout simplement, toujours de la chaîne Pop Sugar Fitness. Je voulais pas faire de séance de sport puisque je commence à sentir des courbatures quoi. Mais je sais pas, comme je t'ai dit dans une précédente vidéo, c'est comme une routine donc qui fait que je me lève, séance de sport et ensuite je vais à mes occupations. 30 minutes with no weights, you got no excuse. Go grab a towel because we're gonna get sweaty. Or we all know I will. Diamonds in my mouth. If we ain't talking money, what we talking about? These boys are chasing me hands out. Keep my fingers fixed on the crown. Diamonds in my mouth. If we ain't talking money, what we talking about? You'll never take me face down. J'ai commencé à regarder, j'ai pas fini. Mais bon, je n'avais pas trop regardé. Tu fais regarder quoi le. Ouais, mais tu m'envoies le truc, tu me dis pas les instructions ni rien. Mais je sais que tu n'avais pas trop regardé. Je pensais que tu avais fini. Tu vas faire quoi? Je suis en train de manger. Ok, moi je mange. Tu manges? Oui. Mais sérieux, tu sais. Pas le frigo les gâteaux? Mais sérieux, tu sais, t'es en train de te faire filer. Ce soir, j'ai mangé des ramen au bœuf. Je vais tester, jamais fait. Donc voilà. Bon, franchement, c'est une recette à tester. Hein. Ah, j'en referai. Ah ouais, là, c'est grave bon. Punaise. Et le fait d'avoir ajouté du piment vert, c'est même pas épicé en fait. Ça apporte juste un petit goût vite fait, mais c'est pas épicé. C'est trop bon. C'est grave bon. Punaise. Alors, là, nous sommes au dernier jour de la semaine
spécial Jet Vlog. Je vais faire un petit bilan de cette semaine, que ce soit positif ou négatif. Pour cette première semaine, qu'est-ce que je peux dire? Je faisais toujours mes séances de sport en fait, mais le problème c'est que j'avais diminué la fréquence et j'avais aussi diminué l'intensité de mes séances. Je pense que c'est ainsi que j'ai pu prendre pas mal de poids. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai grossi en fait et que j'ai pris du ventre et tout ça. Là, comme j'ai augmenté ma fréquence et surtout augmenté l'intensité, j'ai vu une belle amélioration au niveau de mon ventre. Tout simplement, ça a un peu dégonflé. Je vais pas dire totalement, mais un petit peu. Attends, je vérifie si tu filmes. Donc, ça a un peu dégonflé. Ensuite, je m'endors beaucoup mieux le soir. Je me sens pas trop full, ballonné ou autre. Au contraire, franchement, j'ai un meilleur sommeil, donc du coup ça c'est plus que positif. Je m'hydrate beaucoup plus qu'avant. Parfois je me force durant la journée parce que comme je cours partout et tout ça, ben, j'attends d'être vraiment assoiffé pour pouvoir boire alors qu'il ne faut pas faire ça. Il faut s'hydrater toutes les 10 à 15 minutes. J'ai essayé de manger un peu plus de légumes tout simplement. Bon, cette semaine, peut-être qu'on n'a pas trop vu des plats healthy, mais moi, c'est tant que ça reste fait maison, c'est de l'alimentation saine. Hein. Bon, moi, je fonctionne comme ça. Au début, lorsque j'ai repris les séances de sport, j'étais vite essoufflée, j'étais vite au bout de ma vie. Mais là, ça va beaucoup mieux. Je pense que mon corps a repris l'habitude d'avoir des séances assez intenses. Pour vous dire, j'ai pris l'habitude, dès que je me réveille, je fais une petite toilette, je me réhydrate et puis hop, à la salle. Enfin, je fais mes séances de sport. Et du coup, ben, lorsque je me dis, ben, vas-y, je suis fatiguée, j'ai la flemme et tout, mais je ne sais pas pourquoi, je suis déjà en train d'enfiler ma tenue de sport. Pour la séance du jour, quoi, tout simplement. Je pense que j'ai plus du mal à faire mes séances en fin de journée qu'en début de journée. Parce qu'en fin de journée, comme parfois je travaille tellement, je suis sur le montage de vidéos, des choses comme ça, lâcher ça pour aller faire une séance de sport, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est d'essayer de me lever plus tôt, donc du coup, dormir plus tôt, pour pouvoir avancer un peu plus sur mon travail et me permettre à 18h pile de faire ma séance de sport. Voilà. Je vais essayer de fonctionner ainsi pour la seconde pour la deuxième semaine. Ça se dit ça, c'est pas la seconde semaine. Bon, pour la deuxième semaine, je pense que pour vous, il n'y a pas vraiment de grande différence sur ma perte de poids ou ma prise de poids. Enfin, sur ma prise de poids. Petite disclaimer, ce genre de format, ce n'est pas pour vous inciter à perdre du poids de manière très drastique. Je ne suis pas là pour inciter les gens à se faire culpabiliser. Au contraire, vraiment au contraire. Je veux juste que tu puisses comprendre que peu importe ta morphologie, peu importe ton poids, si tu veux juste améliorer ta santé, ton bien-être physique et mental, ben, il faut faire ainsi. Voilà. Parce que comme tu l'as vu, je ne me mets absolument pas trop de pression pour l'alimentation. Si j'ai envie de manger un truc, je le mange. Si je n'ai pas faim, ben, je n'ai pas faim. Voilà. Si je vois que je suis en train de grignoter, ben ok, je grignote, mais bon, voilà quoi. Tu veux que je fasse quoi? C'est déjà dans ma bouche. Franchement, j'ai hâte de faire la deuxième semaine pour voir si je tiens ou pas. On se dit à demain. Yeah.